Petite vidéo d'une visite à Besançon du magasin Céram Décor. N'hésitez pas à me poser des questions ou commentaires, je vous répondrai avec plaisir.
Alors ça, c'est pour le ragoût. Donc là, on a deux fours à ragoût. Et tout le matériel, l'ineffugie, tablier. Et ici, ça, c'est pour celles qui font des bijoux. Voyez les barres, ce fameux métal, le cantal. Alors, vous posez ça au fond de votre four, vous plantez la barre dans les trous de vos petits bijoux, ils pendouillent ici et pouvez mettre au feu et vous pouvez racheter des barres parce que vous pouvez très bien poser ces barres à cheval sur des supports de cuisson. Et pour celles qui ne savaient pas ce que c'est des pernettes, eh bien voilà toutes sortes de pernettes de taille et de forme différentes. Et vous avez aussi ces petits cailloux-là que l'on écarte et on pose les barres sur le dessus. Sur ces plaques de démonstration, vous voyez sur les carrés du haut la couleur que ça donne en cuisson basse température. Et juste en dessous, vous avez la même couleur mais en haute température. Donc on voit que les couleurs varient un tout petit peu, mais ce n'est pas vraiment flagrant, hein. Donc on peut utiliser tous ces stroke and coat à basse et à haute température jusqu'à 1240 degrés, voire 1250 degrés. Ils se mélangent les uns avec les autres, ils se superposent les uns avec les autres. Il faut impérativement mettre trois bonnes couches pour qu'ils brillent. Vous pouvez ou non
Les recouvrir de couvertes brillantes transparentes ou brillantes mates. Ce sont vraiment des émaux prêts à l'emploi fantastiques Il y a et pas vraiment très chers en plein plus. de couleurs. Les Jungle Gems. Alors, ceux-là, ils sont géniaux. Voilà mes achats du jour, un pinceau comme celui-ci pour poser mon émail, un extrêmement fin pour faire des décors. J'ai pris un Truskin. Je vous ferai une vidéo complète sur comment ça fonctionne. C'est pour égaliser tout à la même hauteur. Je me suis pris un petit bidon comme celui-ci pour faire des traits extrêmement fins. Je vous montrerai également comment ça fonctionne. Et j'ai repris trois Stroke & Coat, des couleurs que je n'avais pas, en vue de faire mes petites poupées. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions sur les produits que vous voyez défiler. Travaillez bien!